Donc, il faut arrêter une bonne fois pour toutes le mythe de la dangerosité de l'hydroxychloroquine, c'est un fantasme. Ça a mené le plus grand scandale scientifique de tous les temps, qu'on n'a pas fini d'assumer et qui a montré de cette manière absolument objective que les communications scientifiques étaient soumises à des influences et à des choix d'une très grande médiocrité comme le reste. Et récemment encore, je peux vous dire, il y a deux éléments sur lesquels je sais qu'il y a eu des éléments de censure dans le Lancet qui montraient de manière statistique que d'une certaine manière le tabac protégeait contre le Covid. Peut-être que c'est bien sûr, on ne peut pas imaginer que le bénéfice du tabac soit supérieur au risque qu'il a, mais de censurer une donnée scientifique d'observation, ça n'est pas le rôle d'un journal scientifique. Chacun reste à sa place, les scientifiques font de la science, les politiques font de la politique, et ils le font à partir de données scientifiques. S'ils n'ont plus de données scientifiques fiables, alors tout ça c'est juste du contrôle, c'est juste du pouvoir d'imposer des manières de vivre qui ne sont plus basées sur la connaissance, mais qui sont basées sur des convictions. Et ça n'a plus rien à voir avec ce que nous faisons. Donc je pense que c'est extrêmement clair que le degré de manipulation des journaux scientifiques de plus haut niveau, et plus ils étaient de haut niveau, plus ils étaient la cible de la manipulation, bien entendu. Si vous publiez dans un journal marginal, les gens se fichent de ce dans quoi vous publiez. Mais quand vous publiez dans les meilleurs journaux du monde, la pression qui est exercée sur eux est absolument considérable. Et c'est une faiblesse. Je vous conseille d'ailleurs de lire, parce que c'était un très bon film, Vice, qui raconte la vie de Dick Cheney, qui explique ce que moi je sais sur le bioterrorisme, vraiment, ce que j'ai écrit dans mon livre et la manière dont on manipule les gens et les choses. C'est instructif parce que c'est la même histoire. Ce qui est très intéressant, très très intéressant, c'est que depuis début juin, nous avons eu 1000 cas diagnostiqués. Sur ces 1000 cas diagnostiqués, une seule personne est morte et c'est quelqu'un qui était en fin de vie pour lequel le Covid a un rôle qui était marginal ou négligeable. C'est-à-dire que là, on est encore en dessous des 0,45 pour 1000, on est là à moins de, on est à 1 pour 1000 au pire dans la situation actuelle depuis juin. Donc c'est quand même pas la peine d'avoir un drame de cette nature. Et donc d'ailleurs, j'avise mes amis méthodologistes, pour pouvoir démontrer que quelque chose est égal ou supérieur au traitement que nous avons mis, pour lequel nous avons une mortalité actuellement de 0,45%, donc 4,5 pour 1000, il faudrait faire une étude randomisée avec 67 000 personnes deux fois, 43 000 personnes deux fois, pour pouvoir démontrer qu'il y a une différence de 1 pour 1000. D'accord ? Donc c'est impossible à réaliser. Donc le traitement de référence jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. Et on ne pourra pas démontrer qu'un traitement est supérieur à celui-là. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Donc, l'efficacité thérapeutique de ce traitement est intéressante. Nous venons de finir un travail qui n'est pas encore publié, que l'on a réalisé avec les hôpitaux de jour dans les EHPAD de Marseille, pour lesquels on a commencé à tester les gens massivement durant la plus grande partie du mois d'avril. Et donc, 226 résidents d'EHPAD étaient dépistés positifs, dont une partie a été traitée, à peu près la moitié. Et alors, d'une manière intéressante, la mortalité chez les gens qui ont été traités est de 14,4%. Celle chez les gens qui n'ont pas été traités est de 27,8%. Et ce chiffre de 27,8% des gens non traités dans les EHPAD à Marseille est à peu près le même que celui de la mortalité française, qui était au 2 juin de 27,7%, c'est-à-dire 10 000 personnes qui sont mortes dans les EHPAD, la plupart du temps sans traitement. Ce qui veut dire que si on peut extrapoler, si on peut imaginer que le traitement prescrit à Marseille ait donné les mêmes résultats dans tout le pays, ceci aurait fait 5 000 morts de moins. C'est à vérifier, mais en tout cas, je pense qu'actuellement, le fait d'avoir un moratoire, une réflexion de base sur l'utilisation de ce traitement, en particulier chez les populations à risque, alors qu'on connaît ces inconvénients, que l'on sait qu'il n'y a pas eu d'accident grave, tout ça était un fantasme,
de prendre la mesure de ça et de proposer, en particulier s'il y a de nouveaux cas, à l'avenir, un traitement efficace demande vraiment une réflexion que j'espère qu'on mènera. La mortalité telle qu'on la voit maintenant est de même nature que celle des autres coronavirus que nous diagnostiquons jusqu'à présent, sur lesquels on a fait quelques milliers de tests, qui est entre 0,8 et 1%, comme dans les infections respiratoires dont on a l'habitude. Donc, ça ne représente pas quelque chose qui est significativement différent, mais pour lequel je pense qu'au moins pour les personnes à risque dans lesquelles il y a une mortalité, il existe une stratégie thérapeutique. Les données chiffrées, je pense, méritent une analyse cette fois-là qui soit dépassionnée. Et si on regarde ce qui s'est passé en France, il y a des zones qui n'ont pas été touchées, dans lesquelles, bien entendu, la mortalité est très faible. Et on peut dire que entre les années 2019 et 2020, il y a toute une série de zones en France dans lesquelles la mortalité n'a absolument pas changé, pas du tout. C'est le cas y compris à Marseille. Dans la région dans laquelle nous vivons, dans la région sud, la mortalité a bougé de manière insignifiante, de 4%. En revanche, la zone dans laquelle la mortalité a frappé de la manière la plus violente, c'est l'Île-de-France, dans laquelle il y a une mortalité qui a augmenté de 40% entre 2019 et 2020 pour les mois qui encadrent cette zone. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé là, et qu'on peut regarder aussi dans ce qui est l'âge que de la mortalité. Partout, la mortalité concerne essentiellement les gens qui ont plus de 65 ans, et dans la moitié des cas, des gens qui ont plus de 85 ans. Mais on peut voir que, pareil, en Île-de-France, la surmortalité commence à partir de 25 ans, alors que dans la région de PACA, elle commence à partir de 75 ans. Donc, il se passe quelque chose dans la gestion des plus jeunes, et on retrouve ça, si on regarde ça dans l'analyse que l'on a entre Marseille et Paris, où on voit qu'il y a une surmortalité des plus jeunes en Île-de-France, d'une part, et d'autre part, en particulier la proportion des gens qui ont moins de 60 ans qui meurent est plus importante en Île-de-France et à Paris que ce qu'elle est dans le reste de la France. Donc ça ne peut pas être lié à la fréquence, puisque c'est la proportion des gens jeunes. Ça témoigne de la prise en charge. Et donc il y a une réflexion à avoir sur la prise en charge. Peut-être que c'est trop centralisé, ou que c'est trop gros, ou que les situations ont été trop passionnelles, pas suffisamment pragmatiques, mais il s'est passé quelque chose sur lequel il faudra bien faire le point à un moment ou à un autre. Ensuite, le dernier point dont je voulais parler, c'est que il y a bien entendu une multiplication des tests, et c'est bien, c'est ce que je conseille depuis le départ. Je suis très content que ce point-là ait été entendu, parce que c'est un des éléments. Donc, je suis très content que ce soit un collègue parisien, le professeur Jarlier, qui est à l'Assistance publique de Paris, qui montre ces données de corrélation. Et parmi les corrélations qu'il a testées, la seule corrélation pour laquelle il est testé entre la mortalité dans un pays et une action, c'est la précocité de la mise en place des tests. J'ai toujours dit qu'il faut mettre les tests en place très très précocement, parce qu'on ne peut pas prendre en charge les maladies infectieuses sans faire des tests de diagnostic. Enfin, il faut faire attention aussi aux tests diagnostiques, parce que les tests diagnostiques ont une qualité qui dépend, en particulier la PCR, de la qualité de l'interprétation et de la qualité du test. Donc nous, sur les gens que l'on reteste, qui ont été positifs, et donc on a eu 838 personnes depuis le 1er juillet qui sont arrivées avec des tests positifs à l'extérieur, eh bien, on a trouvé que 21% d'entre eux étaient en fait négatifs. Donc ça veut dire que simplement, il faut faire attention. On a mesuré, nous, la significativité de la PCR en la comparant à la culture et en quantifiant ce que cela signifiait. Et donc, quand on est au-delà d'une certaine courbe, qu'on appelle les CT, qui pour nous sont à 35, eh bien, il ne faut pas interpréter ça comme des résultats positifs, parce que ça n'en est pas. D'accord ? Donc, il faut faire attention, ça représente une molécule, moins d'une molécule par test. Donc, ça n'est plus significatif. Ça n'a pas de signification. D'accord ? Donc, il faut faire attention, parce que on peut avoir des résultats qui sont positifs de manière extrêmement distante. Mais ça, c'est comme la mémoire de l'eau. On sait plus que ça teste. Mais en tout cas, c'est pas du virus. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ces interprétations. Et il faut faire attention à vérifier les résultats positifs avant de prendre des mesures drastiques. Donc,
Et encore une fois, pour nous, dans l'ensemble, hein, sans trier entre les différents laboratoires, il y en a un sur cinq qui est un faux positif, quand même. Donc il faut faire attention à pondérer l'ensemble de ces données. Voilà l'ensemble des points que l'on a actuellement sur la maladie. Donc, son évolution est imprévisible, elle prend un aspect endémique, c'est-à-dire qu'il y en a un peu tout le temps. Il est possible que la reprise des activités normales et donc la disparition d'une partie des foyers qui sont le fait que les jeunes vivent leur vie pendant l'été comme ils l'ont toujours fait, et que donc ça crée des circonstances de rapprochement qui entraînent probablement un truc. Je vous recommande sans arrêt de vous passer les mains avec de l'alcool. C'est quand même le meilleur moyen de protection de tout. Et quant au reste, nous verrons bien comment les choses évoluent, mais il faut dédramatiser cette situation, redevenir pragmatique, reprendre les faits tels qu'ils sont, arrêter de passionner les débats en disant qu'on est pour ou contre. C'est pas de la politique qu'on fait là, c'est du soin, c'est pragmatique. On tient compte des données au fur et à mesure qu'on les apprend. Et il faut pas avoir honte de changer d'avis si on s'est trompé. On constate qu'au début d'une épidémie, quand les choses s'accélèrent, la mortalité, la transmission, la contagiosité augmente. Et puis ensuite, elle diminue sans qu'on sache pourquoi. Il y a beaucoup de théories. Est-ce que c'est l'immunité générale de la population? Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. C'est décrit depuis le 19e siècle. De la même manière qu'on ne peut pas comprendre maintenant ce qui va se passer l'année prochaine, parce que c'est de la divination. On ne savait jamais, personne. Aucune des prévisions qui a été réalisée et qui a excité les gens n'a permis de prévoir ce qui est en train de se passer maintenant. Il faut voir, il faut être armé et prêt à répondre à ça, c'est bien, je pense que le pays est mieux préparé au moins en termes de tests. Il faut que m'accepte là de donner un grand coup de lessive sur les idées acquises et revenir à la réalité pratique. Il faut apprendre à se méfier de l'emportement idéologique, y compris médicamenteux, pour revenir à des choses très pragmatiques. Voilà, parce que quand même, ceci restera dans l'histoire de la médecine, et je pèse mes mots, on parlera encore dans un siècle de l'histoire qui a fait penser dans le monde que l'hydroxychloroquine pouvait tuer entre 10 et 30% des gens quand elle était prescrite. Personne ne pourra croire qu'il s'est passé une crise de cette nature-là tellement elle est folle. Donc qu'est-ce qui a rendu tellement les gens fous à ce moment-là qu'ils ont été pris à croire qu'une molécule qui avait 70 ans, qui a été prescrite à 1 ou 2 milliards de personnes, brutalement était devenue un produit incroyablement toxique? C'est quelque chose qui témoigne d'un profond problème, aussi bien de la manipulation des esprits, de l'ignorance, de l'incompétence, qui restera et qui laissera une trace dans tout le siècle à venir.